Il s'avère que le véritable père biologique de Joe est un prêtre. Le prêtre s'est confessé à Joe. Un simple geste que Joe et le prêtre ont fait de la même façon. Ils étaient tous deux gauchers. Le prêtre a dit à Joe que sa mère et lui étaient tombés amoureux il y a 13 ans. Joe avait peur d'accepter la vérité. Sam est apparu juste à temps. Il arrive trop tard. Joe savait déjà tout. Ils ont bavardé au bord du lac. Joe voulait juste rentrer chez lui. Il ne voulait plus revoir cet homme. Le prêtre était triste. Il ne savait pas comment se rattraper auprès de son fils. Joe ne savait pas comment se comporter avec son père, qui était un étranger pour lui. C'est alors qu'un accident a tout changé. Sam devint l'homme le plus calme. Il dirige la foule. Joe a commencé à faire sortir les élèves. En sauvant le dernier élève, Sam a lui-même plongé sous l'eau pour sauver son camarade. Juste à temps, Joe plonge et sauve Sam. Sam est tombé dans le coma. Joe s'est également évanoui parce qu'il n'avait plus d'énergie. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils étaient à l'hôpital. Sam dormait encore profondément. Les yeux de Sam se sont ouverts à l'arrivée de Joe. Joe savait que son meilleur ami n'allait pas s'en sortir. Sam n'était plus là. Joe vivait toujours son ancienne vie. Il sentait que Sam était toujours avec lui. Il s'est précipité sur tous les lieux, tous les endroits où il